Aujourd'hui, nous sommes à Varsovie, en Pologne, et nous prenons le train pour Tarnów, une petite ville dans le sud du pays. Nous sommes en plein dans notre tour du monde sans avion et nous avons choisi d'aller à la rencontre de celles et de ceux qui confectionnent nos vêtements partout dans le monde. Je crois qu'il est important de retisser le lien entre les vêtements que l'on porte et ceux qui les fabriquent. Alors on y va! La petite usine de Tarnów existe depuis près de 13 ans et 80 petites mains, c'est-à-dire 40 couturières, y confectionnent chaque jour des vêtements pour des clients partout en Europe. Elle est sympa ta veste. C'est vrai, t'aimes bien? C'est une veste bleu tango. Elle a été fabriquée ici même, dans cet atelier. Et d'ailleurs, toutes les couturières l'ont reconnue quand je suis rentrée. Elles m'ont expliqué comment elles avaient découpé le tissu de façon à avoir le moins de chutes possible. Puis elles ont procédé à l'assemblage des pièces de tissu entre elles, à la couture et aux finitions proprement dites. Et puis pas évidente cette veste, elles s'en souvenaient. Elle est réversible et demandait donc des trésors d'ingéniosité. Et je peux vous dire qu'à les regarder faire, ça leur demande une sacrée dose de précision et de concentration tout au long de la journée. Les couturières ici sont payées plus que le SMIC et leurs conditions de travail sont justes, avec un respect des horaires de travail, des postes prévus dans leur emploi du temps et une immense cuisine dont elles peuvent disposer à loisir. D'ailleurs, elles ont toutes le sourire. Pourtant, tout cela va peut-être bientôt s'arrêter. Parce qu'on leur demande de faire toujours plus vite, toujours plus et pour toujours moins cher. Alors forcément, à un moment, la couture en Pologne, ça devient plus rentable. Du coup, toutes les écoles de couture ont fermé une à une et il n'en reste plus aucune aujourd'hui dans le pays. Au fil des ans, les couturières partent à la retraite et ne sont pas remplacées. Le savoir-faire se perd et se délocalise. C'est ce qui s'est passé en France il y a plusieurs années. Pour avoir des vêtements moins chers, on a commencé à s'installer en Europe de l'Est et notamment en Pologne. Et puis on a encore trouvé ça trop cher, donc on est parti s'installer en Asie, en Chine et en Inde. Et puis il y a eu le Bangladesh, encore plus profitable économiquement. C'était toujours moins cher, on pouvait payer les ouvriers encore moins. Et puis on a trouvé un nouvel Eldorado, on est parti en Afrique et notamment en Éthiopie, où les ouvriers n'ont pas de salaire minimum et pas d'horaire de travail maximal à respecter. C'est la course aux vêtements le moins cher au détriment des droits humains fondamentaux. Alors comment on fait pour arrêter ça? Eh bien on arrête d'aller acheter des vêtements chez des marques qui considèrent les êtres humains comme des pions. Parce que ce ne sont pas des vices que l'on est en train de compter là. On parle du temps d'autres êtres humains, des êtres humains comme vous et moi. Les marques n'attendent qu'un signal de notre part pour changer. Alors qu'est-ce qu'on attend pour leur dire? Alors merci, merci aux couturières de l'atelier de Tarnów pour avoir passé autant de temps sur ma veste. Elle n'en est décidément que plus belle.